vu ou salué dans le cadre du bureau. Alors, il est 18h01 ou 2. On n'a plus personne en salle d'attente, on a le quorum. Et Alix fera rentrer les retardataires sans souci, comme le ferait la porte d'entrée de la salle de la Rivière du Commerce. Donc, je fais rire mes collaborateurs. J'espère que c'est notre dernière visio. Je l'avais déjà dit la dernière fois, on a réussi à se voir lors des ateliers. C'est l'occasion d'ailleurs de remercier tous les présents. La participation a été vraiment intéressante. Alix est en train, avec les services et les directeurs et les rapporteurs, de faire le point sur tout ce que vous avez avancé comme proposition sur le projet de territoire. On en a échangé ce matin avec les services de la préfecture, en tout cas ceux de la sous-préfecture qui représentait Madame la sous-préfète, pour avancer une signature de ce contrat de relance et transition énergétique à fin juin. Mais ça ne nous empêche pas de garder, nous, en ligne de mire, un projet de territoire pour la rentrée avec un plan d'action encore à développer tous ensemble sous forme d'atelier. Alix Druja vous écrira cette semaine à ce sujet. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé un moment enfin depuis le mois de juillet où on travaillait ensemble autour des projets, avec peut-être une mention un peu spéciale autour du 360, qui a été intéressant, et j'espère que vous relisez régulièrement pour voir où est-ce que le territoire a ses lacunes, où est-ce qu'il a ses points forts. C'est très visuel et je pense que ce sera un bon fil conducteur tout au long du mandat pour pouvoir nous mettre à jour dans nos adaptations, dans nos projets et faire en sorte que le territoire continue d'avancer. On est, je crois, 55, Alix, hein, c'est ça? 58, donc je vais pouvoir commencer. Je vous rappelle que je ne fais pas l'appel puisque c'est votre entrée dans cette Visio Teams qui fait office d'appel. Par contre, je veux bien, et je regarderai les petites mains levées où Alix surveille, savoir si vous avez des remarques concernant le procès-verbal du dernier conseil communautaire que on vous a envoyé. Je regarde si une petite main qui se lève, a priori non. Donc, je considère le procès-verbal comme adopté. Pareil pour tous les actes pris sous la délégation, soit du bureau, soit de moi-même. Avant que vous posiez des questions, moi, je voulais revenir sur certains points. J'ai trouvé intéressant, en tout cas pour ceux qui n'auront pas détaillé ces documents, de faire état que nous avons signé une convention avec la région, avec la communauté urbaine du Havre et la métropole de Rouen, ainsi que la communauté d'agglomération de Senneur, autour de l'écologie industrielle territoriale. C'est une étude qui est financée par la région, qui fait suite à notre programme national de synergie interentreprises qui avait mis en exergue plus de 250 synergies entre entreprises. On va plus loin et on travaille avec le territoire autour. C'est un des projets labellisés territoire d'industrie et je trouvais que c'était intéressant que vous puissiez savoir qu'on a signé cette convention. Elle ne coûte rien, puisque je vous le redis, la région finance tout, mais que ça nous permet de remettre encore le sujet des ressources qui deviennent des matières premières pour des entreprises. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est sur l'ensemble des territoires que j'ai cités, donc du Havre jusque après Rouen, jusqu'à Senneur. Ce que j'ai remarqué aussi, et que je ne sais pas si vous l'aviez vu, c'est les assises de la transition écologique qui auront lieu au mois de novembre 2021. Donc, on a signé un accord avec un cabinet pour accompagner. Et là, on est dans la démarche de concertation autour du projet de territoire. Et je ne sais pas si vous aviez. On doit faire d'autres actions de concertation, mais je ne sais pas si vous aviez fait attention au fait qu'on organisait ces assises. Alors, les dates ne sont pas encore tout à fait fixées. Dans la décision, vous avez 4-6 novembre, mais ce sera peut-être plutôt fin novembre. Donc, je vous dis novembre. Vous dire aussi qu'on a continué notre approvisionnement des masques pour nos agents. Je rappelle que c'est une obligation de l'employeur de protéger ses agents, pardon, pendant la crise sanitaire et que nous continuons à nous fournir au niveau du CLIPS ressourcerie. Donc, vous avez aussi un document à ce sujet. Vous rappelez aussi qu'on a conventionné, Chantal Courcault, notre vice-présidente, a signé avec le PSLA, donc c'est le regroupement des professionnels de santé du territoire avec qui nous travaillons plus de 2 ans. Ce PSLA, donc, qui regroupe, je dis, 110, 120 professionnels de santé, on leur met à disposition sur la commune de Port-Jérôme-sur-Seine et par le biais de l'agglo des logements pour que les médecins en études qui font leur internat chez un médecin maître de stage sur notre territoire puissent être logés à titre gratuit. Seuls les fluides sont pris en charge par le PSLA. Et puis, une dernière information peut-être sur le contrat territoire lecture. Je trouvais intéressant que vous sachiez qu'on avait étendu les horaires des médiathèques dans le cadre de ce contrat territoire lecture et que ce recrutement
qui est dans une des décisions est financée à 75% par l'État, tout simplement, dans le cadre du contrat territoire lecture. Voilà. Moi, je trouvais que c'était intéressant de faire ressortir un petit peu ça, parce que ce sont des actes de politique qu'on ne prend pas en direct au moment du Conseil communautaire, mais qui vous sont relatés a posteriori. Et je pense vous faire ça un peu à chaque fois. Celui-ci est court, donc j'en ai profité pour le faire, mais je pense qu'il est intéressant de revenir ensemble vers tous ces points qui peuvent passer un peu rapidement. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les décisions prises par moi-même et les délibérations du bureau? Robert? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Robert. Je voulais simplement dire que ô combien j'apprécie la délibération de la présidente, c'est la délibération 109 concernant l'octroi de chèques cadeaux pour les bénévoles du centre de vaccination de l'IFON, qui a un double sens, à savoir les remercier, et ça c'est très bien, et en même temps relancer le commerce du territoire. Donc bravo pour cette initiative. Merci Robert. On l'avait évoqué à la fin du dernier conseil communautaire. Et puis, il n'y a pas eu de souci. Le conseil communautaire suivant s'est fait. Ça a été distribué, effectivement. Ça a été apprécié. Et nous, on apprécie surtout l'organisation de ce centre de vaccination. Je le redisais encore il y a un peu plus d'une semaine, pas vendredi là, mais le précédent, à l'ARS, à Monsieur Denion, qui a fait une visite sur site. Et je le redis, il n'avait pas beaucoup de conseils à nous donner. Il prenait plutôt des idées pour l'organisation des centres de vaccination. Et le vendredi suivant, on est monté à 1380 vaccinations sur une journée. Voilà, donc ça fonctionne bien. On continue. On est en train de conventionner avec l'ARS pour remplacer le personnel des piscines qui ne peut plus faire l'entretien puisque les équipements aquatiques vont ouvrir de nouveau par d'autres personnels. Donc le CHI nous propose des CV. Les communes centres aussi, si vous avez des CV d'étudiants qui seraient intéressés pour travailler au centre de vaccination, n'hésitez pas à les transmettre au service RH. Et le CHI ainsi que l'agglo fera un tri et ces frais de personnel sont remboursés par l'ARS. Donc, on va pouvoir faire continuer le centre de vaccination dans les meilleures conditions possibles avec les professionnels de santé, sous l'organisation du CHI, sous les dotations de l'ARS et avec la participation de la Croix-Rouge pour tout ce qui est accueil. Voilà un petit point d'information sur le centre de vaccination. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va pouvoir commencer les points à l'ordre du jour de ce conseil. Alors, qu'on va les afficher. Moi, je ne les ai pas. Je vois Cédric. Ah, Mairie de Lillebonne. Oui, Il y a une main levée. Oh là là. c'est Christine. Juste dans les décisions prises par la présidente, juste une petite interrogation parce que je ne vois pas de quoi il s'agit. Il y a deux délibérations qui concernent les médiathèques, une sur une boîte de retour et une sur Je suis désolée, Christine, mais on ne t'entend pas du tout. un... Je ne peux pas prendre. Alors, soit est-ce que tu peux l'écrire dans le chat avec Alix et on va pouvoir répondre dès que tu auras écrit la question. Là, on ne vous entend pas du tout. Voilà. Ah voilà, c'est une mauvaise chronique. Oui, je suis vraiment désolée. Là, c'est pire qu'au bureau. Monsieur Havard, votre main est restée levée, il faudrait la baisser. Alors, c'est une question sur les médiathèques. Il y a deux décisions de médiathèque, mais Christine, n'hésite pas à nous faire une petite question écrite et on te répond aussitôt qu'on a la question. Merci. Ah bah super, il faut que tu me mettes. Est-ce que vous pouvez couper votre micro du coup? Parce que. Allez, c'est bientôt la fin, on va bientôt se retrouver en présentiel. Première délibération. Alors, moi, je voudrais que ça défile pour qu'on soit tous, Cédric, avec la même page sous les yeux. Je vais attendre qu'on soit à peu près tous au même niveau, parce qu'il y a toutes les décisions à passer, hein, et les délibérations de bureau. En attendant, je confirme à Monsieur Havard que j'ai bien reçu le pouvoir de Monsieur Berdoumi. Sinon, que Dominique se prépare, parce que la première délibération, c'est pour Dominique Métaux, puisque c'est la décision modificative numéro 1 pour le budget de l'administration générale. Le voilà, je te laisse la parole, Dominique. OK. Bonjour tout le monde. Donc, on est sur une DM1 là, qui reprend trois choses. La première, c'est
Je ne sais pas si vous vous rappelez, le département avait fait sur le domaine de la métropole une partie de pistes cyclables sur la Seine à vélo qui allait jusqu'à Duclair ou Lautrec, je ne sais plus, enfin bon, bref. Et il y avait une continuation qui se faisait jusqu'à Caudebec-en-Caux. Donc c'était à peu près 310 000 euros. Donc à l'époque, on avait pris une délibération en disant qu'on était OK pour financer la moitié, c'est-à-dire, et c'est ce que le département nous demandait, donc 157 725 euros. Ça, ça a été réalisé, si je ne dis pas de bêtises, en 2020. En plus, la deuxième ligne, c'est le reversement partiel de la ROM aux 9 communes de l'ex-communauté de communes Cœur de Caux, à hauteur de 397 000 euros. Donc, il y a une délibération qui suivra celle-ci, mais je vais vous l'expliquer déjà. Donc, vous vous rappelez que depuis que Cœur de Caux est arrivée chez nous, paye une ROM. C'est la seule collectivité, et c'est les seules communes plutôt, qui payent cette ROM, qui se monte à 667 195 euros. Et donc, 667 195 euros, je rappelle. Et donc, cette année, comme on n'a pas finalisé encore la problématique en matière de coûts des ordures ménagères, je tiens à vous rappeler que ça nous coûte à peu près 8,5 millions d'euros à l'heure d'aujourd'hui, pour l'ensemble des communes du territoire. Et donc, plutôt que d'aller dans la précipitation, donc on reviendra vers vous courant septembre sur toute la problématique des ordures ménagères, on a envisagé et on a proposé au bureau de reverser partiellement la ROM à 9 communes. Ces 9 communes, je vais vous les citer, ce sont Alvimar, Cléville, Cliponville, Anvronville, Poucard, Attonville, Terre de Caux, Trémoville et Guébleron. Donc, en déduisant de ces 667 195, la différence entre les coûts du Cévennes et du Smithval, puisque je vous rappelle que le Caux-Seine Agglo a été condamné à, entre guillemets, à réapatrier de nouveau vers le Smithval les déchets de ces communes. Donc, c'est un coût de 145 911 euros. De retirer aussi des recouvrements faibles et nuls à hauteur de 94 000 euros qu'il y avait, et puis aussi le coût d'un employé qui gère l'ensemble des choses. Donc, ce qu'on vous proposait, mais ça, c'est la délibération suivante, mais c'est ce qui explique les 397 000 de dépenses nouvelles. Mais qui est, je dirais, puisqu'il y a une recette de Réum de 600, comme vous le disiez, 604 195. Enfin, une modification d'imputation comptable liée aux réformes de la taxe d'habitation et de la loi de finances de 2020, qui prévoit que la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière de bâti des industriels soient exonérées partiellement. Donc, CSA perçoit, vous savez, au niveau de la taxe d'habitation, perçoit sur les résidences principales, percevait 7 038 039. Et donc, cette année, je dis bien cette année, ils sont compensés en totalité par l'État. Mais par contre, c'est une dotation qui nous a versée. Sur les allocations compensatrices pour la CFE, il y a une base qui est réduite de 43%. Donc, on a perçu 8 197 446 euros de l'État aussi. Et sur les allocations compensatrices pour la taxe foncière bâtie des industriels, on a perçu 1 257 052, soit un montant total des nouvelles compensations mises en œuvre en 2021, 16 492 537, sur un total de recettes de 76 122 700. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on perd encore un peu plus d'autonomie dans notre fonctionnement, puisqu'on perçoit ces 16 492 000 en dotation. Jusqu'à quand? J'espère jusqu'à encore longues années. Mais vous savez qu'une dotation, on peut toujours la diminuer, rarement l'augmenter. Donc, elle représente quand même 21% de nos recettes. Donc, voilà les différences là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, c'est principalement tous ces ajustements qui font qu'on a... ajustement sur l'enveloppe des dépenses imprévues qu'on prend, c'est-à-dire qu'on avait provisionné une somme de dépenses imprévues et on prélève 522 300 là-dessus, sur le fonctionnement, et en investissement 136 827
correspondant donc à la scène à vélo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ainsi que l'atelier CAPA pour le projet de musée Julio Bonnat à 9 102 €. Voilà cette DM1 présentée. S'il y a des questions, tu es prêt à y répondre. Alors, si je peux prendre la main avant les questions, alors moi, je vais juste évoquer la délibération suivante, mais qui fait partie de l'ADM, concernant la ROM et le remboursement aux communes de l'ex-cœur de Caux. Je voulais rappeler qu'il l'a payé deux fois, la fiscalité ordure ménagère et dans la fiscalité mixte, telle que nous l'avons mise en place en 2009. Donc, la fiscalité qu'on prélève sur cœur de Caux s'est alignée sur notre fiscalité mixte, donc ils la prélèvent et ils sont aussi prélevés par la ROM. Donc, c'est cette situation-là qu'on voulait remettre absolument à plat. Voilà. Et ce n'est que sur le volume de déchets potentiellement incinérables au Cévennes et non pas sur le coût réel, mais Dominique l'a bien expliqué. Voilà, je voulais préciser ça. Et puis, pour la mairie de Lillebonne, avant que vous vous posiez des questions et que j'oublie, la boîte retour et le tomate de prêt. La boîte retour, l'automate de prêt, c'est une douchette à disposition quand il y a trop de monde et que vous pouvez prendre un livre assez rapidement. C'est dans toutes les médiathèques et c'est sur les horaires d'ouverture. Et la boîte retour, c'est à l'extérieur quand vous voulez rendre le livre et que vous n'êtes pas forcément disponible sur un horaire de médiathèque ouverte. Vous pouvez déposer votre livre là et ça vaut bon de retour aussi. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Alors, sur les services supplémentaires pour les usagers, c'est la souplesse. Vous pouvez rendre votre livre à 22 h. Vous pouvez vendre votre livre quand vous passez dans la médiathèque, même si elle n'est pas ouverte. Et puis, pour la douchette, ce qu'on appelle un automate de prêt, c'est pour pouvoir, en cas d'affluence ou autre, pouvoir aller plus vite et rendre un service plus vite. Mais là, effectivement, c'est sur les horaires d'ouverture des différentes médiathèques. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Christine, voilà, je vois, merci. Alors, pour eux, voilà, je redonne la parole à Dominique. S'il n'y a pas de questions sur cette DM, moi, je n'en vois pas, je ne vois pas de main levée. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, on va passer maintenant, justement, la délibération concernant l'AREOM. Je pense que je ne vais pas y revenir. Je pense l'avoir suffisamment expliqué. Virginie vient d'y revenir. Donc, vous avez l'ensemble du détail qui vous est fourni, combien les différentes communes vont percevoir et la totalité donc, qui représente, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la somme de 397 €. Y a-t-il des questions sur cette délibération qui fait partie donc, de l'ADN? S'il n'y en a pas, donc je mets aux voix qui est contre. S'abstient. Je vous remercie. J'en ai fini pour ma part. Merci Dominique. Hubert, chargé de mission pour le PLUI. Tout à fait. Donc, on a le plan local d'urbanisme engagé par l'AGLO doit se poursuivre jusqu'à la production du document réglementaire de planification. À cette occasion, la mission a fait l'objet d'une délibération en 2018 pour créer un poste pour une durée de 3 ans. Qui arrive forcément à la fin des 3 ans. Donc, il convient de prolonger cette mission pour permettre l'aboutissement de ce schéma PLUI. Voilà, donc c'est une délibération pour prolonger de 3 ans l'emploi que l'on avait. Y a-t-il des questions? Apparemment, j'en vois pas. Donc, si vous n'avez pas de questions, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Donc la deuxième, c'est, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, c'est la modification du tableau des effectifs, notamment le recrutement d'un chargé de mission pour 3 ans pour la poursuite du plan local d'urbanisme, c'est celui qu'on vient de voir. Vous avez quelques autres changements dans le déroulé du tableau qui va venir après, Cédric encore, voilà. Donc là, je suppose que normalement, vous les avez regardés. Donc, il y a quelques changements dans les postes pourvus, mais il n'y a pas de création à proprement dit. Il y a des changements de poste, il y a des départs, des mises en disponibilité d'adjoints techniques, d'adjoints de maîtrise. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau des effectifs? Oui, quelqu'un a voulu parler, non? Non, j'ai encore entendu du bruit, mais je ne sais pas.
Non, c'est que quelqu'un avait mis un message dans le chat. D'accord. Est-ce qu'il faut le voter? Oui, c'est une délibération aussi, ça, le tableau des effectifs. Je vous confirme. Donc, est-ce qu'il y a des voix contre pour le tableau des effectifs? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Donc, merci. Merci, Hubert. Je vais laisser la parole à Patrick maintenant pour la zone de Bolbec-Saint-Jean. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit des aménagements sur la zone de Bolbec-Saint-Jean pour l'alimentation électrique haute tension et basse tension. Donc, c'est une convention entre Enedis et Ecosyen Aglo pour un montant de, un peu, de près de 63 000 euros, 62 983. Sur cette somme-là, et donc Ecosyen Aglo, par délégation, fait des travaux pour la basse tension qui seront ensuite rétrocédés à Enedis. Et Enedis nous remboursera l'équivalent de 19 867 euros hors taxes. Pour plus de détails, vous avez page 385, si je ne m'abuse, le plan qui vous montre la distribution et les parcelles qui vont être édifiées. Voilà. Pas de commentaires, de questions particulières. Pas d'abstention, pas d'opposition. Merci beaucoup. Merci Patrick. Je reprends la main pour la délibération suivante qui concerne la crise sanitaire. Vous vous souvenez qu'on avait mis en place une aide exceptionnelle à l'immobilier d'entreprise pour les commerçants, prise en charge de 500 euros hors charge, soit d'un loyer, soit d'un prêt bancaire concernant des locaux commerciaux lors du second confinement. Il faut en reprendre une puisque nous avons souhaité, on en avait discuté ensemble, remettre en place pour ce troisième confinement que nous sommes en train de vivre, dont on vit la fin en ce moment, mais il fallait reprendre une délibération pour continuer à accompagner nos commerçants qui n'ont pas pu réouvrir et qui sont toujours sur le coup d'une fermeture administrative. Voilà, la première délibe ne pouvait pas couvrir les versements que l'on fait depuis le 31 mars. Là, on a prévu de dire que c'était jusqu'au 2 mai, mais et au-delà, s'il y avait besoin. En fait, tant qu'il n'y a pas de discontinuité, qu'il n'y a pas de retour complet à l'ouverture des commerces, on peut continuer à servir de la délibération, ce qui n'était plus le cas puisque les commerces avaient rouvert au moment de Noël pour celle de novembre. Donc voilà, est-ce que ça vous appelle des questions? On est exactement sur le même dispositif. On est toujours en complément d'impulsion résistance de la région Normandie et nous avons pu faire au cas par cas tous les dossiers possibles de commerce, notamment un regard sur ceux qui ont ouvert depuis un an et qui ne faisaient pas partie des différents dispositifs et dont certains maires nous ont fait remonter le cas. Donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette délibération? Est-ce que vous avez des questions complémentaires avant de procéder au vote? En espérant que ce soit la dernière délib à prendre, puisque là les commerces vont réouvrir, ils ont quasiment tous réouvert les uns après les autres, même si les restaurants ne sont pas encore en format habituel, puisqu'ils n'ont pas les salles encore aujourd'hui, les salles intérieures, mais en tout cas, voilà. Mairie Lillebonne. Ouais, c'est Pascal, je suis d'accord avec cette délibération, bien évidemment, et puis insister sur le travail de Cosson Développement dans ce domaine qui a été, pendant ces quelques mois, important, et je pense surtout à Stéphanie Kickler qui n'a pas été aménagée son temps et a travaillé ardemment sur ces dossiers-là. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Oui, bon. Oui, tout à fait. On voilà, t'a bien entendu. C'était mieux. Je voulais parler de Cosson Développement qui est vraiment et son président Jean-Marc Vasse qui nous a été bien précieux dans cette période-là. Ils ont su être réactifs et on était dans un temps économique et pas un temps administratif. Et ça, c'est à souligner. Bravo à toute l'équipe de Cosson Développement. Tu as raison, Pascal. Ouais. Voilà. Et le retour des commerçants est quand même très satisfaisant, parce que j'ai fait un petit peu le tour. Ils ont trouvé que ça avait été très réactif. Ils ont bien compris que la première fois, c'était un peu plus lent, mais il fallait se mettre dans le bain. Et que pour ces trucs-là, ils ont vu les effets beaucoup plus rapidement de la prime, de l'aide qu'on a pu leur donner. Donc, on a vraiment des retours très positifs sur cette démarche-là. On a rodé l'outil, ça fonctionnait très bien sur ce deuxième. Donc, je vois, merci aux équipes de Gilles. Voilà, c'est très bien.
Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je vais procéder au vote. Si je ne vois pas de petite main levée, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais laisser la parole de nouveau à Patrick Pesquet. Oui, une délibération qui concerne, c'est la suite d'une délibération que vous avez déjà vue au mois de février concernant la convention de partenariat public-privé, c'est ce qu'on appelait le PUP, concernant la zone commerciale de Gruchel-Palas. Il y a eu un certain nombre de négociations supplémentaires. Il faut savoir que Expandica, le promoteur, a signé deux promesses de vente et dans un premier temps, il souhaitait que sa participation financière soit séparée en deux temps. On lui a fait savoir que, comme le rond-point serait fait dès la première phase, il fallait bien entendu que sa participation soit pleine et entière dès la première phase. Et c'est ce qui a été acté. Là, ce qui vous est proposé, c'est la répartition assez classique en termes de participation de travaux, c'est-à-dire un tiers à l'ouverture de chantier, un tiers à partir de 50% de l'avancée du chantier et le troisième à réception de l'ensemble. Mais il n'y a pas de quatrième tiers, ce n'est qu'à Marseille qu'on met un quatrième tiers dans le pastis. Je rappelle que c'est pour cadrer le projet, que ce n'est pas validation de réalisation d'un ouvrage, mais c'est au moins pour prévenir l'investisseur qu'il participera à cet ouvrage et à peu près du montant pour pouvoir que lui le mette dans ses prospectives, son modèle économique de la zone. Voilà, on l'avait déjà évoqué la dernière fois, mais je trouve que c'est bien de leur dire. C'est une très bonne précision. Bastien. Oui, juste une question. Qui sera maître d'ouvrage? Alors, puisqu'on est sur une route départementale, à cet endroit-là, est-ce que ce sera le département? Est-ce que ce sera l'agglo? Est-ce qu'il y aura une participation formelle de l'agglo qui est déjà envisagée ou pas sur le sujet? Parce que c'est vrai que c'est quand même important. On évoquait tout à l'heure en bureau le financement des cales de bac et on a envisagé de ne pas le faire parce que ce n'était pas dans nos compétences. Là, on est quand même sur une RD. On défend, c'est vrai, le commerce de proximité, mais là aussi, on est sur une zone importante du territoire. Donc, moi, j'avais ces quelques questions-là. Si les choses sont déjà claires, tu disais, Virginie, à l'instant, que c'est le principe que ça ne l'est pas, de voilà. L'engagement. Mais voilà, on en est où dans tout ça, dans le projet? C'est quoi les délais? C'est quoi ce qui est envisagé? Qu'on ait peut-être un peu de précision là-dessus. Alors, c'est effectivement le cadre, c'est un cadre de pub. En ce qui concerne la participation, le département considère que c'est une desserte d'une départementale, mais sur des voies privées. Et de ce côté-là, effectivement, il n'est pas favorable à la participation. Par contre, on a d'autres participations possibles au niveau des acteurs publics. Et pour l'instant, c'est en cours de négociation. Il y a aussi une phase, effectivement, étude, avancement des capacités, du format aussi de ce... alors, on appelle ça rond-point, ça n'aura peut-être pas tout à fait la forme d'un rond-point. Il y a les problématiques aussi de connexion entre les voiries qui seront définitives et celles qui sont provisoires. Je pense en particulier à la contre-allée qui est actuellement en double sens. Est-ce qu'elle restera encore, etc. Donc, il y a toute une série d'éléments techniques, financiers et juridiques encore à avancer. Mais c'est dans ce cadre de pub que ça se fera. Il faut savoir que tant qu'on ne connaît pas non plus le projet de l'investisseur, il est difficile de savoir si le giratoire est nécessaire, si la sécurisation doit être faite. Et il n'y a absolument rien de calé, on l'a dit plusieurs fois. Donc là-dessus, ça n'a pas changé. Alors, il me semblait avoir vu Michel Cavelier avec la main levée, mais je ne le vois plus. Mais sinon, il y a Mary Lillebonne, toujours. Oui, effectivement. Michel, tu vois, j'avais bien vu. Bonjour, Michel. Bonjour. Effectivement, moi, je rejoins un peu Bastien sur un petit peu ce dossier pour différentes raisons. La première, aujourd'hui, on a une AVP quand même à 1 million d'euros. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent. On nous dit qu'effectivement que la société va participer à 25%. On ne connaît pas définitivement le projet, donc j'estime que c'est beaucoup d'argent sur un sujet qu'on a peu d'éléments. Donc effectivement, je vais m'abstenir, moi, sur cette délibération ce soir.
Alors, je rappelle effectivement, et comme l'avait aussi précédemment dit Virginie, il n'y a rien de définitif, c'est un cadre dans lequel les négociations sont en cours. Alors, le montant d'un million, c'est un montant qui est tout à fait estimatif et qui dépendra effectivement des caractéristiques techniques. C'est une enveloppe de repères, mais qui n'a pas de vocation à être définitive. Il y a aussi l'idée d'intégrer la circulation piétonne et vélo dans ce rond-point ou dans cet aménagement pour faire pénétrer à un moment donné la voie cyclable à l'intérieur de la zone d'activité. Donc, ce PUP, en fait, il a plus pour rôle de mettre du monde autour de la table pour entrer dans les discussions. Et les discussions sont aussi en cours avec les autres acteurs de la zone, en particulier Carrefour et puis les autres magasins ou zones qui sont annexes, hein, avec lesquelles on a eu déjà quelques discussions, mais qui ne sont pas finalisées. Là aussi, pour pouvoir discuter avec eux, il faut définir un cadre général et on avance petit à petit sur ça. L'engagement financier définitif ne sera pas pris tant que effectivement tout le monde aura donné son avis sur l'ensemble. Enfin, moi, j'ai un avis assez ferme là-dessus. Il n'y a aucun blanc-seing pour faire ces travaux. On est bien clair. Alors, c'est vrai que moi, je lis comme Michel ou comme Bastien d'imputer les dépenses et les recettes, etc., parce que c'est une formule qu'on est obligé d'employer. Mais je peux vous assurer, d'abord, cette délibération a été déjà passée une première fois, on avait déjà expliqué la même chose. La problématique, moi, telle que je la prends et que je l'ai expliqué avec qui on en a discuté avec la sous-préfecture, c'est si jamais ça se vend entre privé et privé, parce que je rappelle que ce n'est pas nous qui vendons des terrains, d'accord ? C'est de privé à privé. Je veux absolument que si nous décidions de mettre un équipement de sécurité, que l'entreprise soit, avant d'avoir acheté, obligée de participer. C'est vraiment ça la pub. Hein. Attention. Hein. D'accord. Parce qu'une fois qu'ils ont acheté, on l'a dans le baba. Non, donc, tout à fait. Voilà. C'est un projet urbain partenariat, effectivement. Exactement. Le coût de la délibération aujourd'hui n'est pas précise. Par rapport à cette délibération où effectivement chaque élu ce soir va prendre sa responsabilité, mais moi je dis encore une fois telle qu'elle est présentée ce soir, je considère qu'effectivement c'est comme argent comptant, quoi. Aujourd'hui on se doit effectivement d'être beaucoup plus mesuré dans la rédaction de cette délibération. On a l'impression que ce soir effectivement si on vote favorablement, c'est acté pratiquement. Donc, moi, ça me gêne un tout petit peu. Donc, c'est pour cela qu'effectivement, je considère que, personnellement, je vais m'abstenir sur cette délibération. Alors, est-ce qu'on peut rajouter, Patrick, un préambule qui dit, un dernier point avant de repasser la main. Ce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Il y a là, sur la zone de Gruchet-le-Valas, une surface très importante sur laquelle il y avait de l'activité économique, c'était de la logistique. Cette évolution au niveau de la zone pouvait se faire effectivement directement de privé à privé sans que l'agglo ou la commune puissent être mises autour de la table. Et vraiment, parce que jusqu'à maintenant, les documents d'urbanisme communaux ne le permettaient pas d'intervenir particulièrement. Il n'y a pas eu le souhait aussi de préempter la zone, parce que ce n'est pas la vocation non plus de l'agglo à préempter toutes les zones commerciales, ni de la commune. Et donc, ce PUP, ça permet de mettre les différents acteurs autour de la table. C'est comme ça qu'il faut l'entendre la signature d'un devis définitif. Oui, mais non. Voilà. Patrick, on va modifier la délibération. Je ne veux pas qu'on mette imputé dépenses et recettes correspondantes parce que ça engage les finances. On le dit bien en chapeau et en préambule que c'est un outil d'urbanisme pour nous permettre de ne pas nous faire avoir après. C'est tout ça, quoi. Donc, je veux que ce soit écrit en noir sur blanc. Et si vous me le permettez, je demande à Alix qu'elle le modifie en ce sens. OK, merci. Mais,
Hein, comme ça, on est comme ça, c'est écrit. C'est ce que tu dis, mais en noir sur blanc. Merci Virginie. Merci. Pas de mairie de Lillebonne encore, je crois. Oui, c'est Pascal. Bah, c'est ce que j'allais dire. Bon, ben voilà. Vous m'entendez là ? Pas très bien, mais je crois que tu es d'accord avec nous. Oui, non, mais c'est ça, parce que de toute façon, on ne voyait pas trop la finalité. Non. Donc, ça veut dire que de toute façon, on ne vote pas cette délibre. On va en voter une nouvelle. On est d'accord ? Ouais, alors. Si vous le permettez, en termes de timing, pour que ce PUP puisse être pris en compte. Non, on modifie celle-là. On modifie celle-là. Voilà. Donc, sinon, en termes de timing, pour que la PUP puisse être active, ça nous reporte dans le prochain conseil communautaire. Là, par rapport au dépôt de dossier d'aménagement, on risquait d'être hors délai. En plus. Ouais, mais Patrick, on ne peut pas voter une délibération qui ne. Si on peut, parce qu'on est en conseil communautaire, on ne t'entend pas, Pascal, mais je vois bien ce que tu veux dire. On peut, dans la mesure où on modifie tel que vous l'avez demandé là, sur lequel moi je suis plutôt d'accord, à savoir, on n'impute pas de dépenses et de recettes, donc on n'engage pas le budget de l'agglo sur cette délibération, on ne l'utilise comme un outil d'urbanisme à préalable à une signature de promesse de vente, parce que si on le fait après, c'est mort. On ne pourra plus jamais obliger l'entreprise à payer quoi que ce soit sur la zone. Mais même pas un giratoire, hein, même juste un passage piéton. Il l'a évoqué tout à l'heure, Patrick, il y avait aussi le cheminement piétonnier. Mais là aussi, il faudra qu'il participe à 25%. Moi, c'est ce qui nous intéressait. Okay. Est-ce que vous m'entendez, Kamel ? Oui. Très bien. Merci. Moi, j'interviens dans le sens où ce projet, ce PUP, intervient dans un cadre bien précis, celui du développement économique. Il va permettre à l'agglo et accessoirement à Gruchet de répondre à un projet. Ce projet est bien l'implantation à partir d'opérateurs privés d'implantation de nouveaux commerces. Du nouveau commerce, donc, et étendre la zone commerciale qui est déjà existante. Mon problème ici, c'est que d'un côté, on a une exigence, une problématique du développement économique, c'est-à-dire créer des nouveaux services de commerce, de nouvelles activités pour répondre à un besoin bien précis, c'est la création d'emplois. Et de l'autre, on est aussi soumis à une obligation de faire face à protéger nos commerces de proximité. D'un côté, on a ce discours. Kamel, je t'arrête tout de suite. Ça n'est pas le sujet de la délibération. Ne faites pas de la politique. Non. Ce n'est pas le sujet de la délib. La délib, c'est un outil d'urbanisme pour ne pas se faire avoir dans une opération entre privé et privé. Ce n'est pas nous qui vendons et qui faisons du développement éco. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Ce n'est pas ça. C'est non, pas ça. Non, on entend non. De cheminement et puis de voie. Virginie, ouais. laisse-moi terminer ma démonstration. Je te dis une chose, c'est que ce PUP, il intervient dans un projet bien précis. Oui ou non ? Non. Il intervient dans un projet de création de nouveaux commerces, de zone commerciale, d'extension de la zone commerciale de Gruchet. Non, la zone n'est pas étendue, c'est déjà des équipements qui existent. Si tu le permets, Kamel, je voudrais quand même rappeler le cadre. Il y a sur la zone de Gruchet, effectivement, du terrain qui a vocation à muter d'une vocation logistique à une vocation commerciale. Actuellement, et je pense que tu n'es pas sans l'ignorer, la collectivité, dans ses documents d'urbanisme, n'a pas les moyens d'intervenir ou de choisir tel ou tel type de commerce, tel ou tel type d'activité, dans certains cas parce qu'on n'en a pas le droit, et dans d'autres cas parce qu'on n'a pas les outils réglementaires. Le futur PLUI nous en donnera quelques outils. Actuellement, le seul outil qui a été possible pour entrer dans la discussion avec le promoteur et avec les autres acteurs, c'est effectivement ce PUP, hein, c'est cet outil partenarial qui permet de mettre tout le monde autour de la table et d'obliger ou d'amener en fait
le promoteur à intégrer les orientations d'aménagement qu'il sera possible de faire dans une OAP lorsque le PLUI le permettra. Et en particulier, de choisir un aménagement qui permette et que l'opérateur privé devra faire, d'intégrer la piste cyclable, par exemple, à l'intérieur et en prolongement ou par une annexe. Donc, ça veut dire que là, c'est vraiment le seul outil qui nous permet d'entrer en discussion. Sinon, qu'est-ce qui se passe pour l'agglo? Et ce n'est pas seulement la délibération d'aujourd'hui, c'est déjà la délibération d'avant et les différentes explications qu'on a eues, soit à COSEN Développement, soit à COSEN Agglo. Sinon, la collectivité serait simplement spectatrice de mutations dans lesquelles elle n'aurait rien à dire. Là, on n'a pas les moyens de tout choisir, mais on a au moyen de discuter. Très bien. Donc, ça veut dire une chose, c'est que ce PUP, il intervient pour trouver un financement à hauteur de 25%, un financement privé, et que la création d'un rond-point est conditionnée, ou du moins la création d'un nouveau centre commercial, et c'est toi qui l'as précisé que c'était une activité commerciale qui était en devenir, est conditionnée par la création d'un giratoire. Non. J'ai lu. C'est-à-dire qu'entre privés, même s'il n'y avait pas d'aménagement de sécurité, parce qu'un giratoire, ce n'est pas un giratoire, hein, on ne s'amuse pas à faire des giratoires, c'est quand il y a des carrefours qui sont dangereux et des flux de voitures, ça n'empêchera pas beaucoup la problématique entre un privé qui vend et un privé qui achète. Là, on est juste en train d'utiliser un outil qui nous permet d'être autour de la table pour influencer les décisions ou autre. Voilà. Voilà. Donc non, ce n'est pas parce qu'on ne fera pas le giratoire qu'il ne va pas s'implanter, je ne crois pas, non. Oui, moi c'est parce que… Après, il y a d'autres questions que la mairie de Lillebonne. Hein. Il y a aussi Christophe Doré. Aussi pour débattre. Hein. On l'a déjà évoqué à COSEN Développement, vous êtes tous les deux. Moi, je ne suis pas. La question que je me pose, c'est Pascal, là, c'est justement, parce qu'on dit qu'on est en phase de discussion, c'est que déjà, on sait que pour la collectivité, c'est 75% et 25% pour le privé. Ça, c'est non, aussi non, 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 non. Faut vous le dire en quelle langue. Je viens de le dire, c'est 25%. Pour Expandica, pour cet acteur-là. Il y a d'autres acteurs qui peuvent être concernés par l'amélioration des flux et la circulation. C'est Carrefour, c'est Intersport, c'est d'autres. Et là, les discussions continuent à être envisagées autour de ça. Ce n'est pas 25-75. Les discussions avec le département peuvent encore aussi continuer et ainsi de suite. Voilà. C'est bien. Enfin. Voilà, considérez bien ça comme un outil de travail et pas pour un devis signé pour faire le rond-point. D'accord. Je pense que le fait qu'il y ait quiproquo est la preuve que la délibération est mal ciselée et qu'il faut revoir la copie. Eh bien, on enlève effectivement l'alinéa qui dit imputer les dépenses et recettes, on enlève ça, et que ça permet simplement de continuer les dépenses. Voilà. Enfin, après. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Kamel, il y a 10 minutes, oui. On a dit que Alix allait la refaire pour bien montrer que c'était un outil d'urbanisme au service peut-être d'un futur projet, mais en tout cas que ça engageait définitivement l'aménageur dans des travaux, s'il y en avait. C'est ce qu'on va réécrire, c'est ce qu'on a proposé tout à l'heure. Je voudrais entendre Christophe qui a la main levée depuis 10 minutes. Doré. Ouais, ce n'est pas Christophe, c'est Méto. Mais simplement pour dire les dernières interventions à la fois de Virginie et de Patrick précisent clairement les choses. C'est-à-dire que c'est une problématique qui existe et ça permet aussi d'avoir la main sur les négos potentiels. Demain et d'après-demain. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas de problématique, à partir du moment où on retire, d'imputer les dépenses et recettes correspondantes comme il a été proposé à l'instant. C'est tout ce que je voulais dire, puisque voilà. Merci Dominique. Est-ce que Bastien, tu as encore la main levée? Oui, voilà.
Oui, très très rapidement, pour confirmer en effet sur la partie outils, là-dessus il n'y a pas de sujet, mais sous réserve de ce que Virginie tu disais, je pense qu'en effet si on retire la partie qui peut ressembler à un engagement budgétaire quelconque de l'agglo, c'est plus clair et ça rassure tout le monde. Oui, je suis d'accord. Ça n'empêche pas que les négociations continuent pour essayer d'en faire payer si on peut 100% en privé, c'est ça un gros. Tout à fait. Et puis peut-être pour conclure, alors Pascal le sait, je m'excuse Kamel, c'est vrai que tu n'es pas qu'au sein de développement, je me suis trompée tout à l'heure, mais on est toujours dans ce sujet-là, comment on équilibre entre le commerce de proximité, on l'a bien favorisé, et je crois qu'on a passé des délibérations précédemment là-dessus, mais et comment on contrôle ou comment on oriente des implantations entre privés quand on n'a pas les moyens d'acheter tout le bâtiment, de le raser, puis de mettre autre chose. Voilà, la réalité, elle est là. Donc, on est très attaché à ça, qu'au sein de développement, on retire l'engagement budgétaire, ce qui fait que s'il devait vous être proposé un projet, il y aurait une nouvelle délibération qui préciserait exactement les modalités du projet. Et on en profiterait aussi pour vous dire ce qu'Expandica ou un autre investisseur serait sujet à faire sur cette zone-là. Mais là, je le redis, c'est Polygone Logistique de l'Ouest qui vend à Expandica. Et voilà, nous, on a pris le meilleur outil pour être autour de la table. Patrick s'est vraiment attaché à ça. Au sein de COSEN Développement aussi, il y a beaucoup de travail là-dessus. Et je peux vous assurer, je m'y engage, en enlevant la dernière alinéa, on n'engage absolument pas le budget de la collectivité sur ce dossier. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais procéder au vote. Non, c'est Patrick. Excuse-moi, Patrick, je te laisse procéder au vote. Oui, donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Alors, a priori, il y en a plusieurs. Je ne les vois pas toutes. Il y a Michel Cavelier, la mairie de Lillebonne, mais je ne sais pas qui est derrière. Marie-Hélène Longo, ça, c'est mairie de Lillebonne aussi. Mais vous êtes combien, mairie de Lillebonne? On est 4. C'est-à-dire Emmanuel Patin. D'accord, avec Madame Patin. OK, vous trois et Madame Patin. Très bien, c'est noté. Je dis ça, c'est pour Alix. Hein. Voilà, merci. Très bien, merci. Oui, j'ai une Michel. Délibération suivante, je vais attendre que Cédric nous le mette à l'écran. C'est moi. Voilà, c'est la cession d'action à la SPL COSEN Développement. Forte de son succès, puis de la façon dont elle organise la question commerciale sur le territoire, aussi bien en soutien qu'en stratégie, on a eu une demande de la commune d'Arlon-en-Seine, qui a un tissu économique et commercial intéressant et qui est, je dirais, central et important pour la presqu'île de Bretonne. À ce titre-là, on a étudié les possibilités juridiques pour que COSEN Développement les accompagne aussi, hein, finalement, fasse bénéficier de ces outils déjà en place sur ce territoire. Et le seul moyen, c'est de céder une cinquantaine, je crois, c'est 50 actions sur la part d'action de COSEN Agglo. Donc, il ne nous en restera plus que 2650, si j'ai bien compris, les modalités juridiques de ce transfert. Et ça nécessite du coup un capital versé par Arlon-en-Seine de 5000 euros. Je rappelle que c'est 100 euros l'action fois 50 et ça lui permet de rentrer parce que pour intervenir pour une commune, il faut qu'elle soit actionnaire. Donc, c'est COSEN Agglo qui cède une partie de ses actions à la commune d'Arlon-en-Seine. Et puis, il y a des études encore, on reviendra vers vous, pour que d'autres commerces issus d'autres territoires, villages ou centres-bourgs, puissent aussi bénéficier des services. Et on regarde les formules et on va faire ça en plusieurs cliquets. Jean-Marc, si tu peux ou préciser les choses. Oui, c'est la meilleure façon que nous avons trouvée pour être agile et réactif. À la fois parce que Arlon-en-Seine avait un centre-bourg commerçant et qu'il ne participait pas aux travaux de la SPL alors qu'il y en a des besoins, donc on a rencontré même le maire, mais c'est sans oublier non plus les autres collègues qui ont des commerces sur leur territoire et qui souhaiteraient les interventions de la SPL. Donc on aura un deuxième volet à proposer au conseil communautaire pour, de la même manière, pouvoir que l'agglo vende des actions aux communes qui voudront rentrer. Donc voilà, c'est pas un one shot pour Arlon-en-Seine et on s'arrête là. Ça pourra se faire au fil de l'eau. Et je dois d'ailleurs rencontrer un certain nombre de collègues en la matière. Merci. Merci Jean-Marc. J'ai vu que Jacques Charron aussi voulait intervenir. Je n'ai pas pris dans l'ordre, hein, je m'en excuse, mais j'ai vu des mains levées, Jacques Charron aussi.
Non, mais si tu me donnes la parole, ouais. Bonsoir à tous et à toutes. Ça tombe très bien, c'était dans la continuité d'intervention de Jean-Marc qui vient de préciser, enfin de répondre à ma question avant que je ne la pose, à savoir qu'en est-il pour d'autres communes qui auraient besoin de l'intervention de la SPL. Est-ce que le fait d'acheter une action de la SPL permet l'intervention? Est-ce que ça nécessite automatiquement un ticket à 50. Voilà, c'est pour les collègues une information à leur donner sur ce que peut être à la fois la nécessité d'adhérer, de rentrer dans le capital, pardon, et puis les avantages qui en découlent. Voilà, oui, on pourra réintervenir là-dessus, bien entendu. Je l'ai exprimé tout à l'heure. Et effectivement, il y a dans les sociétés, la notion dit, c'est pas péjoratif, de petits actionnaires, c'est-à-dire de ne pas avoir l'obligation de monter à ce niveau-là, tout en bénéficiant à ce moment-là des prestations que la SPL pourra apporter aux petits actionnaires. La seule différence, c'est une question de gouvernance, mais par contre, pour la réalisation du travail, c'est la même chose. Mais ça, on réexpliquera à chacun, c'est du boulot. On l'a fait, on veut le faire un par un, et donc toutes les communes qui ont des demandes, eh bien, qu'elles nous les fassent passer, comme certaines l'ont fait déjà, et on va répondre au cas par cas. Voilà. Michel Cavelier qui a levé la main, et après Mérid Lillebonne. Non, c'était une erreur de ma part, Virginie. Il n'y a pas de souci, Michel. La mairie, puis du coup, après Nathalie Lemel. Oui, c'est Kamel. Moi, je peux dire que voilà, c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Qu'un village, une ville comme Arlon en Seine se saisisse d'un outil comme la SPL pour accroître son commerce, accompagner ce commerce local, c'est important et c'est aussi en lien avec ce que je disais précédemment, c'est trouver un équilibre entre les grands groupes commerciaux et puis les petits commerces de proximité. Évidemment, l'arbitrage, voilà, l'équilibre n'est pas facile, mais voilà, c'est la preuve que nos villages, nos petites villes, nos centres-bourgs ont un besoin aigu du commerce local et qu'il faut vraiment. Je sais que Cosenaglo est très à cheval et très présente sur les territoires pour relancer tout ça. Donc voilà, c'est tout juste pour dire que c'est une bonne chose. Merci Kamel. Nathalie. Oui, on t'entend, Nathalie. Ah, plus tellement, en fait. Je ne sais pas. Pourtant, a priori, c'est possible. J'ai pas compris la réponse, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez ? Là, maintenant, on t'entend. Là, on t'entend bien. Tu peux... Voilà. Voilà. Non, mais pourtant, le micro, enfin, il doit y avoir pas ça là. Donc, ma question était à savoir, est-ce qu'il y a besoin d'une association, de commerçants adossée à cette autorisation de cession de part, ou c'est la commune qui achète et avec une association, enfin, je ne sais pas, je voudrais une explication. Parce qu'à Libleron, effectivement, on n'a pas d'association de commerçants. Il y a eu, mais il n'y a plus. Bon, je vais me permettre de répondre. Justement, c'est... Merci. Là, il y a une association de commerçants et comme les autres actionnaires, il y a une association de commerçants. Donc, c'est-à-dire qu'on a prévu les mêmes dispositions de gouvernance avec une asso de commerçants. Par contre, pour les autres communes qui ont des commerces mais qui n'ont pas d'association, on va modifier nos statuts pour qu'en effet, nous puissions avoir ce qu'on appelle des petits actionnaires qui n'auront pas l'obligation de l'association de commerçants. On permettra malgré tout à ce que ces commerçants puissent rejoindre telle ou telle association, mais la SPL pourra intervenir à la demande de la commune pour accompagner ces commerçants sans association. C'est la raison pour laquelle on prévoit, comme la loi le permet, le dispositif des petits actionnaires, donc du coup moins d'investissement pour la commune au regard du nombre de commerçants qu'elle a, et malgré tout la capacité à bénéficier de l'intervention de la SPL. Je rappelle que la SPL, c'est une société, qu'elle fonctionne, qu'elle rend des services sur des commandes qui lui sont faites par ses actionnaires, hein, qui payent pour ça. Donc, du coup, ça nous permet d'intervenir, en quelque sorte, dans la dentelle, sur mesure,
au regard des enjeux qui ne sont pas les mêmes de l'un ou de l'autre, si vous voulez. Voilà, donc on aura l'occasion de vous le réexpliquer, mais Nathalie, c'est pour te rassurer là-dessus, il n'y a pas de difficulté. En rentrant parmi les petits actionnaires, quand on aura modifié nos statuts, à ce moment-là, tu auras la capacité à y éblerons, puisque je parlais, certains m'avaient contacté, tu en fais partie, bien évidemment. Merci, merci. Voilà. Merci beaucoup, ça me rassure. Merci. Et le deuxième, il va suivre pour l'automne. Merci Jean-Marc. Mary Lillebonne, mais je ne sais pas qui. Oui, c'est encore moi. Juste une question pour Jean-Marc. Les actionnaires, petits actionnaires, ou dit les actionnaires minoritaires, ceux qui font le choix, je ne sais pas si tu en as parlé parce qu'on a été coupé, ceux qui font le choix d'acheter une action ou deux de Cosen Développement, est-ce qu'ils pourront siéger au conseil d'administration ou siégeront à l'Assemblée générale ? Comme tu le sais, les petits actionnaires désignent leurs représentants pour siéger au conseil d'administration. Donc, il y aura bien un représentant des petits actionnaires. Et là, pour le coup, les petits actionnaires pourraient être aussi nombreux qu'ils le veulent. Et c'est ça aussi la subtilité du dispositif. Donc, voilà, il y aura un représentant, il y aura une assemblée générale des petits actionnaires qui désignera son représentant qui siégera au CA. Très bien. Ça. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je considère que les dernières mains levées, c'était tout à l'heure, je pense, parce que chacun a pu s'exprimer. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Bienvenue Marilyn et ses commerçants dans le nouveau dispositif, en tout cas. Je vois que Marilyn nous a remercié, elle ne pouvait pas s'exprimer, donc je la remercie aussi pour sa remarque, puisqu'elle est ravie d'intégrer le dispositif. Alors, la délibération suivante, je crois que Stéphane n'est pas là. Michel Cavelier est là, mais pas Stéphane Cavelier. Donc, je vais reprendre sa délibération. C'est tout simplement le règlement intérieur des équipements aquatiques qui précise les modalités de sécurité du toboggan et aussi de manière assez… C'est pas si anodin que ça, les règles d'hygiène et les différents modèles d'équipement pour les baigneurs, ça évite que ça négocie à l'entrée des bassins et que ce soit différencié, horaires, tarifs, et tous ces règlements seront affichés dans chacun des équipements aquatiques et pour le toboggan Cal Lillebonne, puisque c'est la seule piscine qui en a un. Voilà, avez-vous des questions concernant les équipements et ce règlement intérieur des piscines ? Alors, je sais que c'est Michel Cavelier qui a encore la main levée. Si tu peux la baisser, Michel, parce que moi, je crois que Stéphane est revenu. Je crois que ce n'est pas le cas. On a des jolies photos des maillots de bain. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai procédé au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, délibération suivante. C'est Gilles. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est une délibération pour préserver la ressource en eau. Et je tiens à féliciter les services qui travaillent un peu dans l'ombre par rapport à ça. Et ça concerne le bac d'Angerville-Saint-Maclou. Vous savez qu'on a plus de 20 captages, et puis là, il y a deux captages qui sont conjoints, Saint-Maclou et Angerville. Donc, il y a campagne de Co, qui est avec Cosen Aglo, bien sûr. Et en fait, l'idée, c'était, ils ont bien bossé, on a préfinancé 14 hectares, et on a mis ça pour la gestion de ça à la SAFER. Et on a approché les propriétaires des parcelles de périmètre, des captages, et on a réussi à avoir un engagement de leur part, c'est-à-dire que s'ils nous libéraient un hectare dans le périmètre, on leur proposait de racheter un hectare dans les 14 qu'on avait. Et on a réussi à revendre les 14 hectares. Et comme ça, on a 14 hectares d'herbe avec… Bien sûr, on a acté une servitude pour ne pas que derrière, quand ils remettent en prairie, qu'ils retournent. Donc, c'est acté devant le notaire. Et là, l'acte, c'est par rapport à la parcelle, quel que soit le propriétaire ou le locataire. Donc, il y a des frais inhérents à tout ça. Et si on peut descendre pour voir un peu toute la participation. Donc, il y a l'indemnisation des servitudes. C'est-à-dire que quand les propriétaires, ou si c'est un propriétaire fermier, ont donné à peu près 3 000 euros à peu près par hectare,
Hein, pour, ça, c'est dans le deal. Il y a eu des frais de notaire, forcément, c'est pour acter la servitude. Les frais aussi d'accompagnement de la SAFER, parce qu'il y a eu les tractations aussi avec la SAFER, et c'était les 5 100 €, vous voyez. En fait, c'était par dossier. Il y avait 6 dossiers, et ils prennent 850 € par dossier. Et après, là, vous allez me dire, c'est le beurre et la crème et l'argent du beurre. Delta de qualité de terre, effectivement, il y a certains cultivateurs disaient que l'hectare qu'on leur proposait à racheter était de moins bonne qualité, donc ce qui explique les 4 084 €. Donc ça fait en totalité 59 646 que l'on partage forcément les coûts avec Campagne de Co. Voilà. Si vous avez des questions. Non, si. Donc est-ce qu'il y a des contres? Des abstentions? Merci. Merci Gilles. Hubert, la crassule de Helms. Ce n'est pas le gouffre, mais pas loin. Hubert, je ne sais pas si tu as branché ton micro. Oui, excuse-moi, tu as raison. Oui, donc je disais que la crassule de Helms, c'est une espèce invasive qu'on trouve malheureusement dans les étangs Marcel Legendre à Port-Jérôme-sur-Seine. Donc depuis au moins 2 ans maintenant, on s'est aperçu qu'il y avait cette fameuse crassule dans les étangs. Donc, Conseil d'Aglo et Port-Jérôme, on collabore ensemble afin de limiter au maximum la propagation présente dans les étangs. L'étang numéro 1, alors pour ceux qui connaissent un petit peu, enfin l'étang numéro 1, c'est celui qui est le plus au nord, je pense, le plus en amont, et c'est lui qui est le plus envahi également. Donc en 2019, les services de COSEN ont déjà posé un grillage et un filet, donc un grillage tout autour pour interdire l'accès, et un filet pour empêcher les canards et tous les oiseaux limicoles de venir patauger là-dedans. Un filtre a aussi été installé entre les étangs, le 1 et le 2. Il y en a même un maintenant qui est entre le 2 et le 3. Parce que les étangs, pour ceux qui, pour information, se déversent les uns dans les autres jusqu'au 3e qui, après, lui, donne accès aux cellules. En 2019 et 2020, le Conservatoire des espaces naturels est intervenu pour localiser et arracher manuellement les foyers des étangs numéro 2 et numéro 3, parce qu'il y en avait dans les deux étangs. Et ça peut s'arracher qu'à la main. Il faut donc aller dans l'eau, il faut fouiller et chercher pour arriver à l'enlever. Donc, pour l'étang, le constat qu'on fait aujourd'hui, pour l'étang numéro 1, il n'y a aucune possibilité d'éradiction. Il y a beaucoup moins de foyers de crassules dans l'étang numéro 2, sauf une zone très infestée au nord de cet étang, donc c'est plutôt, le nord c'est plutôt côté du numéro 1. Dans le numéro 3, les 3 foyers de 2019 ont disparu, mais un foyer a été trouvé sur la berge à proximité de l'abri des pêcheurs. Donc une étude doit être menée par un bureau d'études spécialisé afin de trouver une solution pour endiguer la problématique de la crassule de Helms. Il y a aujourd'hui très très peu de solutions. Une des solutions qui avait été envisagée tout au début, c'était pour l'étang numéro 1, et ils ne sont pas sûrs que ça puisse fonctionner, c'était de complètement reboucher l'étang, recharger en terre sur 2 ou 3 mètres de hauteur pour essayer de l'étouffer. Mais ce n'est pas garanti que ça fonctionne en plus. Donc voilà. Donc, au titre, pour pouvoir travailler et puis surtout continuer à travailler ensemble avec la commune de Port-Jérôme, une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage doit être passée entre COSEN Aglo et Port-Jérôme. Donc COSEN Aglo sera maître d'ouvrage pour réaliser cette étude et les travaux en fonction des coûts envisagés. Le financement sera porté par les deux collectivités à hauteur de 50% chacune. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Donc c'est pour que vous nous autorisiez à valider cette convention. Est-ce que vous avez des questions concernant la crassule de Helms? Une question, je ne sais pas qui. Mais... Daniel Delaune. Pour mon info personnelle, est-ce que cette cochonnerie-là, il y en a ailleurs sur le territoire?
À notre connaissance aujourd'hui, non. Mais il n'est pas interdit de penser qu'on puisse en trouver dans... Alors, c'est surtout dans les eaux qui ne sont pas très, comment dirais-je, rapides. Et effectivement, dans les étangs, l'eau, il y a une petite circulation, mais pas très rapide. Mais on pourrait très bien en trouver dans nos rivières hein, ou sur le marais. Mais ça pourrait très bien dans l'étang des Aulnes à Lillebonne, enfin les différents... Aussi. Aussi. Parce que Hubert l'a rappelé, je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est la main humaine hein, qui déverse aussi, ah, qui peut déverser ce type de pollution. Hein, donc ça pourrait arriver. Hein. L'origine est certainement venue de la vidange d'un aquarium privé dans l'étang. Oui, ce sont des plantes vendues dans le commerce. Ou en bordure de l'étang. Pas forcément dedans, mais juste à côté. C'est pour ça que le numéro 1 qui est le plus infesté aujourd'hui est considéré comme foutu. Isolé. Si tant est qu'on peut isoler complètement. Ça répond à ta question, Daniel ? Je crois que oui. Jacques. Oui, vous avez partiellement, enfin vous avez en partie répondu à ce que je voulais dire. Effectivement, ça fait partie des espèces invasives que l'on trouve ici ou là, qui sont importées. Alors, Virginie, tu trouveras peut-être une référence à ton observation de tout à l'heure. C'est une plante qui nous vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ben oui. La boucle est bouclée. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amateurs du Seigneur des Anneaux, mais là, j'en ai retrouvé un. Donc, blague à part, le parc de Brière y est confronté depuis 2015, a essayé tout un tas de solutions qui ont été reprises, et c'est très bien, par le Conservatoire des espaces naturels de Normandie, qui est un bon interlocuteur sur le sujet. Les solutions de comblement, éventuellement de saliniser les étangs, mais d'enlever à la main, c'est un pis-aller, puisque tout cela à l'origine, vous l'avez dit, c'est d'origine humaine, puisque ce sont des plantes qui ont été achetées. Ça pourrait être intéressant de se rapprocher, alors entre le service environnement et puis peut-être la SPL, je ne sais pas, mais de se rapprocher des commerces qui vendent, enfin qui font de la vente de plantes pour aquarium, de se rapprocher d'eux pour éviter d'avoir ce type de plantes en circulation à la fois dans nos boutiques spécialisées et par voie de conséquence limiter le risque à l'avenir. On n'est pas à la merci d'une expansion et c'est très difficile. C'est comme d'autres plantes que l'on trouve ici ou là qui sont très, très difficiles à supprimer dès l'instant qu'elles sont apparues sur nos territoires. De mémoire, Jacques, on avait demandé à sensibiliser par le biais de la police de l'eau et autres. Je ne sais pas exactement si ça a été fait, je reviendrai vers toi, mais on avait évoqué ce sujet-là. Autant, je veux dire, annuler le mal à la source, entre guillemets. Et oui, oui, oui. Ouais. Jean-Marc, tu voulais intervenir aussi. Oui, je ne veux pas rajouter du débat au débat parce que sinon on va y passer la soirée, mais il existe un code de bonne conduite des espèces exotiques envahissantes. Donc il y a des travaux qui sont menés au plan national justement pour aller à l'encontre de ces plantes envahissantes. Donc voilà, c'est le sujet, mais comme l'a très bien dit Hubert, on est parfois victime et ça fait des gros, gros dégâts. Voilà, donc allons-y, continuons. Merci. Oui, tout à fait. Là, on est coincé parce qu'on a un étang qui est complètement envasé par ça, et les autres, la seule solution, c'est d'éviter, enfin d'y aller régulièrement et puis d'enlever ce qu'on trouve pour pouvoir éradiquer, ou tout au moins pour éviter. Parce que si ça passe dans les 2 et dans le 3, après, on le retrouve dans le TLV. Et là, ça va à la Seine après. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions sur cette... Oui, je crois qu'il y a Jean-Marc Aurin. Oui, j'aurais une question, puisque c'est une espèce invasive et qu'une fois que ça a infesté un étang, on a du mal à se débarrasser. Je pense qu'il serait intéressant de surveiller toutes les pièces d'eau et tous les étangs de Cossenaglo au moins une fois l'année pour voir si on n'a pas ce genre de plantes invasives ou d'autres espèces d'ailleurs, plutôt qu'après de trouver des solutions une fois que c'est trop tard, quoi. Tout à fait. Mais les pièces d'eau, enfin nous, pour ce qui concerne Cossenaglo, rivières, les étangs, on n'en a pas d'autres. Alors après, ça a été évoqué tout à l'heure par Virginie, c'est les,
c'est les étangs des zones. A priori, nous, on n'intervient pas trop, on se fait la rivière, mais on ne fait pas spécialement les étangs. Mais effectivement, on pourrait être amené à... Alors, au début, ça se voit très, très peu aussi. Hein. Elle est plutôt... C'est très, très peu en surface. C'est plutôt dans toutes les racines qui sont autour de l'étang. C'est ce qui fait que, finalement, quand on s'en aperçoit en surface... C'est trop tard. Il est peut-être pas trop tard, mais il faut intervenir rapidement. Oui, tout à fait. En tout cas, je sais que les services y sont sensibilisés. Hein. Et ben je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais l'été prochain, ça fera 2 ans qu'on bataille avec ça sur, sur l'étang. Donc, on est parfaitement courant. Et notre grande crainte, cher Jean-Marc, c'était que ça aille dans le cours du TLUE et que ça puisse après encore aller plus loin. Donc, Les gens de Port-Jérôme sont sensibilisés, les services techniques. Ce qu'on pourrait peut-être évoquer avec l'Ilbonne, c'est de sensibiliser les gens de services techniques de l'Ilbonne, peut-être. Tout à fait. C'est une bonne idée. Il y a encore... Oui, il y a des mains qui se lèvent toujours. Non, en fait, je ne sais pas, je ne pense pas. C'était des... Daniel, tu n'as pas dû rebaisser ta main, je pense, non ? Bon. Voilà. Par contre, je réponds à la question de Jacques. Il y a déjà depuis longtemps dans nos différentes chartes une lutte contre les plantes invasives. On connaît la Buddleia, on reconnaît la renouée du Japon hein, sur nos zones d'activité aussi. C'est... Alors, est-ce que Meryl Lilbonne va intervenir ? C'est ça sur les étangs, peut-être ? Non, mais je rejoins Hubert. De toute façon, nos services sont mobilisés sur ce problème-là aussi. Mais je crois que quand on regarde un petit peu tous les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, on a le problème des plantes invasives, les frelons asiatiques, les ragondins. Il va falloir qu'on s'interroge sérieusement sur tous ces problèmes-là, parce que, mine de rien, c'est aussi un problème écologique majeur, hein, ça vous le savez, mais aussi un problème économique. Donc, à l'avenir, je pense qu'on aura beaucoup de dossiers comme ça à traiter, malheureusement. À une époque, je sais que c'était les tortues qui venaient de Floride qu'on balançait dans les étangs, pour oublier les nouveaux animaux de compagnie. Donc, vigilance, parce qu'à mon avis... Des problèmes comme ça, on va en rencontrer plusieurs. Voilà ce que je voulais dire, simplement. Sensibilisation, tu as raison. Peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse à avoir une sensibilisation grand public aussi en la matière, quand on abordera peut-être dans les assises de la transition tout ce qui est évolution climatologique. Parce que on a des espèces faune-flore qu'on n'avait pas avant. Eh bien, c'est un sujet, on en parlera à Marie-Annick. Merci, Pascal. Tu vas pouvoir procéder au vote, Hubert. OK. Est-ce qu'il y a des voix contre pour cette délibération sur la crassule ? Des abstentions ? Non ? Merci. Donc, et c'est toujours à toi. Oui, tout à fait. Donc, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est avec le syndicat des bassins versants, la Durdan-Saint-Valery-Velette. Disons qu'on s'oppose à la fiscalisation des contributions. C'est ce qu'on fait tous les ans. Hein, parce qu'ils voudraient qu'on les fiscalise et nous, on ne veut pas. On ne veut pas parce que Costenaglo a délibéré en février 2021 et ça fait l'objet d'une inscription au budget primitif. Donc, on ne fiscalise pas la somme qui nous est demandée, les 3671,88. Voilà. Mais ça, c'est tous les ans, on a la même question. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Oui ? Non ? Non. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Merci. Merci Hubert. Chantal, un petit peu de logement, un petit peu d'habitat. Oui, alors là, c'est le PIG Habitat numéro 5, comme vous le savez. Donc là, c'est une convention de préfinancement avec la SACICAP. Alors, la SACICAP, c'est une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Donc, ça permettra de financer les subventions de COSEN Aglo par la SACICAP du Havre-Normandie. Donc, le montant de la subvention sera anticipé par cet organisme qui payera directement les entreprises. C'est-à-dire que les familles, il n'y aura pas de trésorerie immédiate des familles. C'est par l'intermédiaire de la SACICAP. Une fois les travaux terminés, donc, nous verserons notre subvention à la SACICAP, limitant ainsi les intermédiaires.
Et la SACICAP peut aussi également préfinancer les subventions de l'ANA. Donc, ça offre aux propriétaires une enveloppe de préfinancement plus conséquente. Voilà. Alors, pour votre info, les résultats donc, du quatrième PIG 2017-2020, ça montrait que 66% des propriétaires ont été accompagnés et c'était des revenus éligibles au plafond très modeste de l'ANA. Donc, c'est pour ça que nous signons donc, cette convention pour limiter donc, les charges aux familles. Est-ce que vous avez des questions? Non, tu peux procéder au vote, Chantal. Il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La suivante, oui, gestion des aides à l'habitat public, donc c'est la programmation du logement social 2021 et un avenant à la convention. Donc cette délibération fixe la programmation annuelle pour la production de logements du parc social. Donc cette programmation est cohérente aux objectifs du PLH, hein, plan local d'habitat, et permet ensuite de signer les avenants à la délégation des aides à la pierre. Donc les aides à la pierre, c'est la période qui couvre 2017 à 2022. Donc cette année, il y a trois opérations supplémentaires, donc avec le plan de relance. Donc, les opérations supplémentaires, il y en a une qui est très lourde, c'est à Rive-en-Seine. C'est les immeubles immobilières Bassène, donc c'est rue Kennedy et Poussin. Et ensuite, nous avons donc deux opérations qui concernent Molévrier-Sainte-Gertrude. Donc, 12 logements pour le Molévrier-Sainte-Gertrude et 62 pour Rive-en-Seine. Donc, c'est un montant qui se monte à 814 000 en plus par le plan de relance. Donc, ce sont des crédits de l'État que, dont nous avons la délégation. Ok, Bastien, tu veux intervenir? Oui, oui, juste pour confirmer ce que disait Chantal, en effet, c'est une très grosse opération, 62 logements, et oui, c'est quasiment 70 000 euros de travaux par logement, ce qui est assez colossal, c'est d'ailleurs plus 5, voire plus 6. Il n'y avait pas d'ascenseur, donc installation des ascenseurs et toute la remise aux normes énergétiques. Donc, ça va pleinement aussi dans le sens de la politique de l'agglo sur l'amélioration énergétique du logement existant, puisqu'il y a eu une discussion assez serrée de savoir si on détruisait, on reconstruisait ou si on réhabilitait. Et le choix a été fait après conviction du bailleur de maintenir le bâti existant. Donc, c'est plutôt une belle opération. Voilà. À 70 000, c'est rare. Hein. Ouais. Oui, c'est très rare. Oui, ah, ouais, tout à fait. À 45-50, il se pose déjà la question de raser par logement. Et mais là, vous changez vraiment la nature de l'immeuble, puisqu'en mettant une accessibilité par ascenseur, vous pouvez changer aussi la typologie des habitats, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, je pense que c'est ce qui a fait basculer aussi. Et les ascenseurs sont par l'extérieur. Oui, par l'arrière des bâtiments, ils ne sont pas visibles depuis la rue. Ils utilisent le dénivelé du terrain naturel, mais du coup, oui, ils seront cachés en plus. Il y a d'autres mains levées, je ne vois pas. Non, il n'y en a pas. Tu peux procéder au vote, Chantal. Alors, des abstentions, des oppositions. C'est bon, Virginie, je oui, vois pas. Oui, c'est bon. Il n'y a pas de... Ah bah, Bastien l'a main levée, mais je pense qu'il ne s'oppose pas. Voilà, merci. Ok, merci. Délibération suivante, voilà, c'est les privés maintenant. Maintenant, c'est les privés. Donc, cette délib fixe la programmation annuelle, objectifs et moyens financiers pour la rénovation du parc privé. Donc, pour l'année, l'enveloppe prévisionnelle des droits à engagement ANA destinée au parc privé en Caussène Agglo est fixée à 1 306 000. A priori, pas de questions non plus, Chantal.
Merci. Donc, opposition, abstention? Non, il n'y en a pas. OK, merci. Merci beaucoup, Chantal. Patrick. Je remets le micro. Donc là, c'est dans le cadre de la procédure de révision du SCOT. C'est pour compléter la délibération de prescription pour élargir les personnes publiques associées à cette démarche. Donc, la liste complémentaire, vous l'avez en dessous. Alors, ils ont déjà été sollicités, bien entendu, dans nos échanges, mais le formalisme n'avait pas été prescrit en 2017. Donc, on le fait là. Donc, Chambre de commerce de Rouen, du Havre, enfin, de Seine-Estuaire, l'Aglo de Fécamp, les SCOT de Caux-Maritime, Haute-Falaise et SNCF. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Non. On considère comme adopté, donc. Pareil pour le PLUI. Alors, pour le PLUI, c'est le même process avec donc cet élargissement des personnes publiques associées et aussi le fait de supprimer la notion de plan de secteur qui avait été imaginé au départ, mais qui ne peut pas se justifier par des caractéristiques spécifiques. C'était en particulier autour des neuf communes, des nouvelles communes autour de Terre de Caux. Et comme il n'y a pas de justification forte là-dessus, on est amené, pour les sécurités de l'ensemble, à supprimer ce rappel à la notion de secteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Observations, apparemment non. Pas d'opposition, d'abstention. Joël, une question. Oui, excuse-moi. Donc, on supprime le secteur 8, alors, la notion de secteur complètement? Alors, la notion de secteur est supprimée parce que elle aurait pu servir s'il y avait eu une spécificité particulière à le faire sur ces communes-là. Comme dans l'analyse qui en a été faite jusqu'à maintenant, on n'a pas d'éléments justifiant des différences. Cette notion-là ne peut pas être défendue auprès des services de l'État. Ah bon. Donc, ça ne change rien au travail qui a été accompli. Et la prise en compte, bien entendu, des PLU tels qu'ils existent actuellement, hein, on les reprend. Et justement, comme il n'y a pas de différence notable, la notion de secteur ne peut pas être gardée en tant que telle. Quoi. D'accord. Bon. Voilà. OK. Mais ça ne change rien au travail de fond. D'ailleurs, je signale à titre d'actualité qu'actuellement, on a les réunions de secteur qui se font. Il y en a déjà quatre qui ont été faites. Encore quatre autres là qui vont arriver dans les jours et les semaines et la semaine prochaine encore. Et puis rappelez que vous avez dû recevoir en commune des mails demandant à faire des propositions de date pour les réunions communales. Hein, où là, nos équipes viendront commune par commune pour analyser dans le détail tous les éléments, en particulier sur la notion de densification, d'ouverture à l'urbanisation, qui sont déjà le fruit de réflexions précédemment portées. Quoi. Okay. Jean-Marc, tu avais une question. Oui, simplement supprimer la notion de plan de secteur au SCOT. Non, c'est au PLUI. Au PLUI. Non, c'est au PLUI. Mais, je ne sais pas, moi, ça nous a échappé, ça. Oui, je n'étais pas… Même lors de la dernière réunion de secteur, justement, on n'en a pas parlé. Jamais, hein. Non, c'est effectivement… Jamais été mis en débat autrement que directement par une délibération, premier élément. Et deuxième élément, il y a quand même un sujet, puisque la loi engagement et proximité a permis aux communes noté d'agglomération, du coup,
constitué de 50 communes et plus, de justement de pouvoir mettre en place des PLU de secteur. Donc, ça mérite quand même autrement un débat de voir les avantages et les inconvénients, et ce travail n'a pas été fait. Je pense, si tu t'en souviens, Virginie, avoir soulevé en son temps cette question-là. Moi, je n'ai pas de... Il y a des avantages et des inconvénients, je veux les mesurer, et puis qu'on décide, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais prendre comme ça directement, pas sûr que ce soit... Alors, bien sûr, je sais que c'est par dérogation. Le préfet donne une dérogation à ce que, plutôt qu'il n'y ait qu'un seul PLU, il y ait des PLU de secteur. Mais ça se fait ailleurs, y compris en Seine-Maritime. Donc, ça mérite quand même qu'on regarde ça. Et je le dis d'autant plus que pour nous, mais ce n'est pas que pour nous. Les collectivités sont de nature différente d'un territoire très grand. On ne parle pas que de la petite île. Il y a la vallée, il y a la vallée du commerce, etc. Il y a le plateau. Donc, il y a quand même des sujets qui peuvent justifier une différenciation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous en débattions, qu'on fasse cette analyse. Cette analyse, elle n'a pas été faite. On a dit, voilà, il y a un SCOT, on a agrandi le SCOT avec les communes qui nous viennent de cœur de co, et boum, on supprime le secteur. Non. Alors, cette observation-là est une observation qui nous a été faite par les services de l'État. Lors des réunions avec les personnes publiques associées, qui nous alertaient sur la fragilité de notre construction, que définir un secteur qui n'a pas de caractéristiques formelles peut amener effectivement à une fragilité juridique. Le plateau autour de Terre de Caux ou autour de Rouville ou de Beauceville-la-Grenier sont des mêmes caractéristiques, et d'autant plus qu'il y a des sujets que l'on va traiter de manière transversale. C'est en particulier le sujet des clos masures, qui est un sujet compliqué et complexe. Il n'est pas spécifique au secteur de Terre de Caux. Ce que je veux dire là, c'est lors des analyses qui ont été faites, des diagnostics, etc., il n'y a pas eu de caractéristiques particulières qui ont permis de justifier cette notion de secteur. Alors, je conçois qu'il n'y a pas eu de débat élargi autour de ça. Je dirais que là, c'est plus un aspect technique par rapport à l'observation qui a été faite au niveau des services de l'État, qu'un secteur ou des secteurs, oui, s'il y avait des éléments à justifier et suffisamment solides pour les définir, et qui nécessiteraient un arrêté effectivement préfectoral. Non, mais qu'on s'entende bien, moi, on n'a jamais dit que nous souhaitions, on pense qu'il y a une caractéristique parce que nos PLU sont récents, mais on n'a jamais dit qu'il fallait sortir un seul secteur du reste. Ce n'est pas ça le sujet. La question, c'est qu'on a la capacité, depuis engagement et proximité, de faire des PLU de secteurs et de prévoir effectivement des secteurs qui sont homogènes. C'est ça le sujet. Et ce débat-là, il n'a pas été tout fait. On débat sur des, y compris en bureau, sur des questions qui sont parfois accessoires. Ça, c'est une question essentielle et qui a été posée en son temps d'emblée. Et tu le sais. Comment on s'en sort? Est-ce qu'on doit retirer cette partie de la délib et on peut laisser le reste? On diffère. Oui, moi je pense que ce serait bien de différer. Attends, on pose la question à Patrick, techniquement. Techniquement, pourquoi pas? Après, on va reprendre les mêmes éléments, c'est-à-dire que on peut refaire le débat. Qu'est-ce qu'il y a effectivement de spécifique sur telle ou telle partie du territoire, alors que tous les travaux qu'ils ont fait ont ramené l'essentiel des points communs? Non, la problématique, ce n'est pas, le fond. Le fond, il faut du débat. Et c'est la forme, la problématique. C'est oui, pas c'est la forme. On appelle à un débat là-dessus qu'on n'a pas eu et qu'on ne va peut-être pas faire maintenant. Donc, est-ce que dans cette délibération, on peut enlever une partie qui nous permet d'avoir le débat sur cette partie-là? Ouais, je pose la question. Hein. Je n'ai pas la réponse immédiate comme ça, pourquoi pas. Le seul problème, c'est que s'engager dans un débat sur les secteurs, ça veut dire que
Il va falloir trouver l'argumentation pour les définir, chose qu'on n'a pas vu apparaître dans à la fois le diagnostic et en ce moment l'élaboration du PADD. Et comment, donc à partir de ça, aller vers le préfet avec quoi dans cette discussion, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, si on c'est peut, simplement pour se rassurer de dire il y a un secteur, mais... Non, là, tu repars sur le fond, Patrick. Et je voudrais vraiment qu'on ait ce débat-là, parce que Jean-Marc m'en a parlé dès le départ. Et c'est vrai que ce débat, on ne l'a pas eu. Il faut qu'on revienne là-dessus en bureau. Ce qu'on peut proposer, j'en discutais avec Alix, c'est d'enlever l'histoire de la suppression des secteurs, mais de garder toute la procédure pour les personnes publiques associées. Oui, ça, de toute façon. Parce que ça, il faut absolument qu'on la passe. Si je vous fais cette proposition-là pour qu'on puisse en rediscuter, et peut-être dans une réunion spécifique avec les maires concernés, mais aussi avec les autres, il faut que chacun puisse. C'est pas que les maires de Cœur de Co, des ex-Cœur de Co qui sont concernés. Hein. C'est tout le monde. Voilà. Sujet les 50 communes. OK, on fait comme ça. Merci. Moi, j'en suis d'accord. D'accord, merci. Merci. Est-ce que c'est... Alors, la délibération suivante, il n'y aura pas de débat parce qu'elle est supprimée. Je crois que, Bastien, il n'y a plus d'utilité de cette délibération. Il y a une autre solution qui a été trouvée. Mais non, en fait, il faut que ça passe par la commune. Voilà. D'accord. Bon, donc, ce n'est pas nous qui devons délibérer. OK, oui, très bien. Parce que le droit de préemption, il est communal. Il n'est pas sur les zones U. Ben, on voulait en fait que l'EGL soit, on lui délègue directement, ce qui est parfois possible, mais dans les questions de procédure et de forme, c'est un peu compliqué, donc du coup, c'est le conseil municipal qui va se prononcer. Donc, la délibération 123 est annulée. Donc, je vais laisser la parole à Hélène. Bonsoir à tous. Donc, la délibération 124, elle concerne les gens du voyage, notamment la convention pour la subvention de fonctionnement ALT2 pour l'année 2021. Donc, en fait, l'État et la Caisse nationale des allocations familiales accordent et financent une aide forfaitaire, donc une aide au logement temporaire 2, donc ALT2, pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Donc, cette aide est versée aux collectivités qui répondent aux obligations du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Elle est calculée au regard du nombre des places de stationnement et au taux d'occupation. Donc l'aire d'accueil de passage de Bolbec et les terrains familiaux de Port-Jérôme-sur-Seine répondent aux obligations du schéma départemental, notamment pour la réalisation des équipements, la mise en œuvre des projets socio-éducatifs pour le public accueilli et la conformité et la bonne tenue des sites mis à disposition et les astreintes techniques en cas d'incident. Donc cette aide s'élève à un total provisionnel de plus de 55 000 euros, en 55 701 pour la période de la convention, donc c'est-à-dire pour un an. L'aide est versée mensuellement par 12e du montant total provisionnel. Donc, si cette proposition recueille votre accord, je vous propose d'adopter cette délibération et de m'autoriser à signer cette convention donc relative à la LT2, ainsi que tous les documents qui s'y rapportent. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'en vois pas. Donc, je vais procéder. A priori, non. Au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vois pas de main levée non plus, hein, Virginie. Non, a priori non. Donc délibération merci. Adoptée. Donc la deuxième délibération, donc elle concerne Plastique Énergie, donc c'est une enquête publique. Donc Cossène Agglo est sollicité par le préfet pour donner son avis sur le projet de Plastique Énergie. Donc, on va reprendre un petit peu le contenu du projet. Donc, l'entreprise Plastique Énergie projette de monter une unité sur la plateforme industrielle de Port-Jérôme. Il s'agit d'une usine de traitement de plastique par pyrolyse pour fabriquer un gaz qui sera ensuite utilisé par Exxon dans son vapocracker. L'usine sera classée Céveso seuil haut. Elle emploiera 31 personnes et fonctionnera 7 jours sur 7 en 3-8. Donc, Plastique Énergie, c'est 75 tonnes de déchets plastiques qui seront traités par jour, soit 25 000 tonnes par an. Ces déchets plastiques mixtes sont difficiles à recycler et proviendront en premier lieu de la région Normandie, dont le gisement est de 36 000 tonnes an. C'est une technologie innovante et vertueuse qui transforme les déchets en polymères de qualité vierge.
Donc, le projet n'augmente pas le périmètre de danger puisqu'il est inclus dans celui des sceaux. Hein. Le terrain est en zone grisée du PPRT. Dans la zone industrielle, il n'ajoute pas de nuisances surpassant celles qui existent déjà. Donc, juste pour information, Cossen Aglo préconise deux choses. Donc, un suivi d'odeur pour s'assurer de l'impact de cette nouvelle activité. Donc, il faut savoir que toutes les entreprises sur site ont déjà un profil olfactif. Et puis, une autre préconisation, c'est d'intégrer Plastic Energy aux démarches menées par l'Association des entreprises de Port-Jérôme-sur-Seine et sa région, donc l'AEPJR. Donc notamment sur les plans de communication d'urgence, les sirènes d'alerte et les démarches collectives de prévention des risques majeurs. Donc en prévision de cette délibération, les services du risque majeur ont consulté différents services de Cossen Aglo et les structures partenaires, donc le service des eaux de Cossen Aglo, le SAGE, l'ADREAL, Cossen Développement également pour l'emprise du projet qui a permis d'éviter la zone humide. Donc, les eaux usées industrielles seront traitées par un dispositif interne sur le site et réutilisées sur le procédé afin de limiter la consommation d'eau. Il n'y aura pas de rejet d'eau usée industrielle dans le milieu naturel. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Une partie du site, est identifiée comme humide. Donc, l'emprise du projet a été adaptée pour éviter cette zone. Ce projet n'est donc pas soumis à des mesures de compensation environnementale concernant ces dites zones humides. Le projet est en parfaite cohérence avec la sécurité globale de la plateforme industrielle et ne vient pas empiéter sur des terres agricoles, mais plutôt va valoriser les dents creuses. Donc, en conclusion, hein, le site paraît tout à fait adapté à ce type de projet. Projet qui n'augmente pas l'enveloppe globale des risques hein, technologiques présents et existants sur le site. Donc, Port-Jérôme-sur-Seine a délibéré favorablement le 1er avril 2021. Si je ne me trompe pas, la mairie de Lillebonne délibérera en juin. Donc, par conséquent, si vous en êtes d'accord, je vous propose de donner au préfet un avis favorable concernant cette implantation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, monsieur Aurin, je vois. Oui, j'aurais quelques questions sur ces déchets plastiques, parce que je pense que c'est des déchets plastiques, on nous dit déchets plastiques mixtes, donc je pense qu'ils doivent être additivés, parce que c'est des plastiques qui sont impossibles à recycler. Puisque c'est des mélanges de plastique avec différentes autres matières intégrées au plastique, donc des additifs divers qui leur donnent des propriétés. Et donc, je voudrais savoir si ça générera des rejets de fumée, si ces fumées seront filtrées et analysées. Je voudrais savoir aussi si cette nouvelle activité sera elle-même génératrice de déchets, et si oui, lesquels, sous quelle forme. Et puis, dernière chose, est-ce que, pour savoir d'où viennent les déchets, on nous dit en Normandie, je suppose que compte tenu de la quantité, 75 tonnes jour, ça va plutôt être des camions que des barges, parce qu'il n'y a pas suffisamment de quantité. Alors, je vais déjà répondre pour les rejets atmosphériques. Donc, ils seront effectivement générés par le process de production, hein, le groupe de motopompes et puis le trafic. Hein. Donc, trafic, ce sera des poids lourds, 5 à 6 par jour. Donc, ça répond à votre dernière question. Pour les rejets polluants atmosphériques, donc, il y aura une tour aéro-réfrigérante. Et l'installation sera suivie dans la réglementation en vigueur. En fait, les émissions sont conformes aux limites d'émissions dans l'air des installations d'incinération et de combustion. Donc, l'évacuation des fumées de process sera assurée par une cheminée de 28 mètres de haut après les différentes phases de traitement. Donc, l'entreprise prévoit des rejets nettement inférieurs aux limites fixées par la réglementation. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Les rejets, vous m'aviez dit les poids. Les déchets, c'est ce que ça génère d'autres déchets ultimes? Oui, mais qui seront infimes, a priori, et qui seront réévacués. On est sur un retraitement ultime. On est vraiment à l'échelle la plus ultime de l'économie circulaire. Mais je suppose qu'il y a des réunions publiques là-dessus. Si vous voulez interroger directement les techniciens, monsieur Aurin.
Il y a une enquête publique, donc il y a forcément des réunions qui vont avec. Je ne sais pas si on a les dates, Hélène, ou si on peut les transmettre à M. Aurin. Effectivement, je serais intéressée, oui. Bah oui, je trouve que c'est bien. On les transmettra. Là, je n'ai pas la date, mais... Eh bien, c'est parfait. Je vous remercie. Pas de problème. Je me le note. Il y avait une autre question, je crois. Oui, de Mairie de Lillebonne. Voilà. Ouais, c'est Pascal. Petite question. Les conseils municipaux n'ont pas délibéré. Est-ce qu'il aurait mieux pas valu qu'on commence par les conseils municipaux ? Alors, Gravenchon a déjà délibéré le 1er avril. Il ne reste que vous. Mais lors de l'enquête, on en avait parlé en bureau, vous étiez soit en avance, soit en retard par rapport à l'enquête. Mais Christine, il me semble, m'avait dit que vous alliez passer ça en juin. Oui, tout à fait, le 17, ça passe. Non, mais c'est pour éviter d'avoir un avis, par exemple, défavorable en conseil municipal et un avis favorable en conseil communautaire. C'était ça, ma question. Alors, Sport Jérôme a émis un avis favorable le 1er avril. Là, on va délibérer. Et puis, donc, il restera vous au mois de juin. Ok, d'accord, pas de problème. De mémoire, Pascal, Christine, on était un peu bloqués. C'est-à-dire que par rapport à la période où vous délibérez, votre conseil était trop tôt ou trop tard. C'est ça. C'est un hasard du calendrier. Par contre, je voulais savoir si vous aviez bien reçu la DIA et si vous l'aviez bien transmise à l'aglo pour la suite de la procédure, parce qu'il y a un transfert de terrain fin juin. Moi, je pense que je vais m'en assurer demain. D'accord, super, merci. Il me semble. D'accord. Y a-t-il d'autres questions ? Je n'en vois pas. Hein. Non. Donc, je vais procéder au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? A priori, non. Merci. Merci, Hélène. Je vais laisser la parole à Kamel pour le Véloroute. La dernière délibération, une délibération en lien avec le projet Véloroute, c'est la vélo du département. Nous avons, au début de cette assemblée, On ne t'entend pas, Kamel. Je ne sais pas si d'autres l'entendent bien, mais voilà, tu vois, il y a d'autres. Daniel nous dit aussi qu'on ne t'entend pas du tout. D'accord. Enfin, on t'entend, mais blablabla. Si tu pouvais, je ne sais pas s'il faut débrancher le micro ou peut-être te rapprocher de l'appareil qui permet de faire le micro, me dit Jérôme Debris. Oui. Et puis, peut-être enlever le masque, mais du coup, il faut t'éloigner de tes collègues. Je suis vacciné. C'est bon, là ? C'est mieux, super. D'accord. Donc, une délibération relative au projet Véloroute du département de la Seine-Vélo. En début de conseil communautaire, nous avons voté... Oh, t'entends pas. Ah, putain. Je sais. Je sais pas comment faire, mais là, j'ai d'autres commentaires. Apparemment, je suis pas la seule. Prends-la. Tu peux la prendre ? Ouais. Il n'y a pas possibilité ou par téléphone ? Je sais pas. Là, c'est bien. Je ne sais pas quelle position tu as parce que je ne t'ai pas à l'écran, mais de temps en temps, c'est très limpide. Mais apparemment, Xavier Levé me dit la même chose, Daniel Delaune, Joël, on ne t'entend pas au bout de 10 secondes. Alors, je ne sais pas si… On a des problèmes de bande passante. Donc là, ça va mieux, je ne sais pas. Non, je suis désolée. Je vais essayer de la prendre. Vas-y. Voilà, je vais la prendre et tu peux faire des commentaires par le chat s'il y a besoin et Alix surveille. Je suis désolée parce que j'ai d'autres conseillers communautaires qui disent qu'ils n'arrivent pas à t'entendre. Et ce n'est pas au-delà de ne pas entendre, c'est vraiment très sifflant dans l'oreille. Je crois que ce n'est pas évident. Donc, dans le cadre du projet global Véloroute Seine à vélo, métropole de Rouen-Normandie réalisée en 2019, une voie verte entre Duclair et Le Très s'arrête donc aux portes de notre territoire. Afin de poursuivre cette voie verte au-delà du métro de ce territoire, le département a réalisé une section manquante sur le territoire de Rive-en-Seine.
Dans le cadre de l'aménagement de ce tronçon, le département a transmis un état récapitulatif des dépenses engagées, donc environ 315 450 euros, et sollicite le soutien financier. Alors, elle avait déjà sollicité, je crois, Kamel, et là, c'est une régularisation. Il me semble que ce dossier, on avait déjà évoqué une participation à 50% sur ce tronçon manquant, ce qui ferait un… Oui, on a voté la DM en début de conseil. C'est ça. C'est pour ça. Ce n'est pas le département qui a dit « je fais les travaux », puis après, il nous demande la moitié. C'était quand même acté au préalable. Donc, ça fait une participation de 50% de Caussène Agglo pour ce tronçon qui fait Saint-Vendry-Côte-Bec, donc sur le territoire de Rive-en-Seine. Est-ce que c'est ça ? Il fait juste le trait Saint-Vendry. Alors, il ne va même pas jusqu'à… Bon, alors, je dis Rive-en-Seine, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. C'est les terrains collés, tout ça ? Il s'arrête à la zone portuaire au bout du terrain collé. Ah ben voilà, Bastien, vas-y, dis-nous, parce que toi, tu connais bien le sujet et on t'entend bien. En fait, la métropole avait aménagé jusqu'à l'entrée de Saint-Vendry, c'est-à-dire un peu avant le Lidl, si vous voulez, quand vous arrivez du trait. Et le département a pris la main hors métropole, puisque ça revient dans ses compétences, puisque la métropole était maître d'ouvrage sur la première phase, jusqu'à l'entrée de Saint-Vendry. Et là, la dernière phase, on a une réunion le 10 juin avec le département pour finaliser le tracé entre la sortie du port de Saint-Vendry et l'entrée de Côte-Bec, de manière à reboucler sur Villequier, Petit-Ville. Et il y a aussi un travail avec l'agglo, Virginie, sur les terrains de, PJ3 pour rejoindre la vallée du commerce et puis boucler l'ensemble de la Seine-Avenue. Oui, c'est tout à fait ça. Je crois que je regarde l'écran, savoir s'il y a d'autres questions. Robert a levé la main et Jacques après. À toi, Robert. Ou Jacques, du coup. Il faut mettre votre micro, l'un des deux. Le premier qui met le micro, c'est Jacques. Jacques a gagné. Jacques a gagné, Robert, après. Allez, je profite de l'occasion, puisqu'on est sur une entrée de notre agglomération qui est celle en contact avec la métropole. C'est un petit message qui est hors sujet. Mais on a un affreux panneau à la sortie du trait, à l'entrée de Saint-Vendry, Agglo-Caussène sur un fond vert qui ne respecte pas la charte. On n'a même pas le panneau d'entrée de parc naturel. Je crois qu'il y aurait un petit effort pour montrer que l'on rentre sur notre beau territoire de la communauté d'agglomération Caussène. Ça, c'était un message au passage. Concernant la Seine à vélo, là, nous sommes sur une partie du tracé sur la rive droite. Je voulais simplement rappeler aux collègues que la Seine à vélo prend deux itinéraires à partir de Jumièges, avec un tracé rive droite qui nous emmène jusqu'au Havre et un tracé sur la rive gauche qui traverse la magnifique boucle de Bretonne pour aller jusqu'à Honfleur, Deauville. Voilà. Et donc, il y aura peut-être, je l'imagine, ou c'est une question, des investissements, des aménagements de prévus sur cet itinéraire de la rive gauche également, tout comme il y en a eu de réalisés sur la rive droite. Merci. Sur la rive gauche, ça a été demandé, ainsi qu'un tronçon jusqu'à Fécamp aussi, pas que vers le Havre, mais aussi la traversée l'île Bonne, Julio Bona, Dejnetay pour Bolbec et rejoindre après le véloroute touristique qui va jusqu'à la mer, mais côté Fécamp. Donc, effectivement, c'est des sujets que Kamel traite avec le département. Robert. Oui, excusez-moi, j'avais oublié d'allumer le micro. Quelle est la longueur développée de cette voie ? Parce que le montant est quand même relativement important. Là, tu me poses une colle, Robert. Combien ? 3,5 km. Oui, quand même. 3 km et quelques, ouais. C'est pas si elle est moins chère, les véloroutes. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'était quand même toute une partie de voie de chemin de fer, hein, qu'il a fallu, enlever les rails, le ballast, les trucs, etc. Ça a quand même été une opération pas simple. Hein. Entre le moment où RFF a accepté de rendre la voie et de qu'elle puisse être transformée en véloroute. Hein. Est-ce que ça répond à ta question, Robert ? Complètement. Et si c'est pour le coup, c'est pour le tourisme et pour le travail, pour ceux qui le souhaitent. On sait, Kamel, très attaché à ça, de dire qu'il faut que les tracés
de véloroute puisse servir de manière optimisée pour et les transports de loisirs, de tourisme et aussi pour les transports professionnels à terme, puisque c'est un objectif qu'on a aussi sur le territoire. Et puis, d'une autre, peut-être pour compléter, on ne peut pas se faire une religion du coup au kilomètre carré d'une voie vélo, puisque chaque tracé a ses contraintes. Sur certains tracés, c'est beaucoup moins cher parce que c'est beaucoup plus simple, ne serait-ce que c'est quand c'est en terrain dont nous sommes propriétaires ou le département est propriétaire et quand il n'y a pas, comme le disait Bastien, des équipements à démonter. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet de la Seine à vélo, en tout cas sur cette partie, ce tronçon rive en Seine? Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, Kamel, je vais procéder au vote. Hein, je vais jusqu'au bout. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est la fin de ce conseil communautaire. Peut-être vous rappeler quand même, avant de vous libérer, de bien répondre à la petite enquête qui concerne la compétence informatique et votre volonté d'adhérer ou pas à un service mutualisé. On n'a eu que 12 réponses des communes. Ça ne nous permet pas d'envisager un échelonnement de prise de compétences ou autre. Donc, si vous pouviez nous répondre sur ce petit sujet-là. Et je redis, comme l'a dit Patrick Pesquet tout à l'heure, et le service Planif, participez bien aux ateliers PLUI. Il y a beaucoup d'échanges. Moi, si je fais le dernier de Norville, et c'était vraiment, vraiment très intéressant de partager avec mes collègues maires, dont les communes sont limitrophes, sur ces sujets-là. C'est vraiment important. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je remercie ceux qui nous le souhaitent à travers le chat. Et je vous donne rendez-vous fin juin pour le prochain conseil communautaire qu'on essaye d'organiser en présentiel. Entre deux, on se verra lors des ateliers. Et je tiens à préciser que sur des prochaines réunions où on a tous les maires comme ça, je n'y ai pas pensé, je m'en excuse, c'est de vous permettre de connaître vos collègues avec un petit badge, ça ne mangeait pas de pain. Et on ne l'a pas fait. Et on a fait intervenir des élus dont on n'a pas l'habitude de voir prendre la parole. Et je suis désolée, on ne les a pas bien présentés et on ne s'est pas tous présentés avec un petit badge. On ne se connaît pas tous encore. Enfin, moi, je vous connais tous, forcément. Mais en tout cas, entre d'autres maires, c'était peut-être plus compliqué. On corrigera ça la prochaine fois. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.